Je vois ta gueule. Bonjour. Avec 66. Oui, avec d'accord. 66. D'accord. Ah, c'est fermé. Moi, c'est 33, moi. Bim. Oui, ah, mais je croyais que. Oui, oui. Pardon. Désolé pour la fenêtre. Hein. Y'a pas de problème. Hop là, attendez, je la remets un coup là. Hop là. Oui, nickel. Hop là, voilà, c'est bon. Hop là, attendez, je reviens un coup peut-être. Voilà. Oui, 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 attendez. Ouais, la porte est bien huilée en tout cas, nickel, c'est bon, nickel. Voilà, nickel, merci. C'est bon. Oui, c'est bon. 66. Bonjour. Bonjour. Ah bah, enchanté, on s'est jamais vu. Oui, effectivement, vous êtes Freddy Kidd. Monsieur Kidd, très bien. Vous êtes cadet ou officier? Officier. Officier supérieur? Officier tout court. Ah, mais ça va alors. Du coup, on est parti pour faire une petite patrouille? Oui, c'est ça, oui. D'accord, très bien, mais c'est super alors. je vous laisse vous occuper de la radio. Oui, bah, j'ai bien compris que je vais m'occuper de la radio. Oui, oui. Mais... si vous voulez, on peut y échanger. Hein. Moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner comme des traiteurs Pokémon et échanger à un moment donné, d'accord? Mais vous préférez quoi, vous, coup dur ou la radio? Moi, je vous avoue que je m'en fous. Hein. De toute façon, moi, si je conduis... J'ai cru comprendre ce soir que c'était pas votre fort, la radio, non? Effectivement. Du coup, j'ai 466. C'est possible d'avoir un 89 au poste. Faut correct. C'est reçu. C'est une blague. Qu'est-ce que ça fait? 04, attends une réponse, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Demain? Non, j'ai plus de poulet, j'ai 04 pour 66. Différent de contrôle. 04 pour 66. Nescat, je vous laisse faire un 10-19 pour rejoindre 89 dans la dame. Nescat, ouais, bougez pas. Mais je bouge pas, soyez plus actif en radio, s'il vous plaît, qu'on s'inquiète pas pour ici. Bon. Nescat, les 66, je laisserai faire un 10-19 pour récupérer la 52 après, s'il vous plaît. 66. J'aurais voulu avoir un extrait de mon casier. Inscrit à mon casier. 33 pour 66. Ah, on a le droit ou pas? Bah, c'est mon casier. Eh oui, c'est 4. Bah, j'ai pas demandé. Faites correctif en radio, s'il vous plaît, quand je vous appelle. Vous ferez un 19 pour récupérer 52, s'il vous plaît. 10-4. Alors attendez. Faites deux fois ce soir 66, pas de troisième. Je bouge pas. Effectivement. Je vais prendre la radio si vous voulez. Oui, bah, y'a pas de soucis, vous savez, je vous laisse décider. Hein. Oui, on va faire comme ça. Voilà, Adam 52 et 66 deviennent Adam 52 début de patrouille. Bah, d'ailleurs, fallait que j'appelle le capitaine à ce sujet. Ah, d'accord. Parce que je me fais engueuler, moi. 33 pour tous, la PS ou le parking, faites attention, je suis quand vous rentrez. 10-4. Oui, allô, mon capitaine. Oui, vous allez bien? Vous avez une petite voix. Oui, bah vous êtes souvent fatigué. Je voulais juste m'excuser, tout à l'heure j'étais au Bénin, du coup j'ai pas entendu. Est-ce que... Oui, bien sûr. Oui, mais vous savez, moi je... Vous savez, moi j'attache une extrême importance à l'image de la LSPD et je conçois à toujours bien discuter avec les gens, c'est très important pour moi, mon capitaine. Bien sûr. Mais je pense que j'ai un souci technique pour tout vous avouer. Voilà, donc je voulais juste vous informer de ce petit mécontentement. Voilà, mais à bonne soirée, mon capitaine. À plus tard, porte à vous. Voilà, il est fatigué en ce moment. Putain, la voiture elle est toute éclatée, on va retourner au Bénin là. Ça vous dérange pas? Ah non. On y va alors. En plus je viens d'y aller. Ah oui, vous avez frôlé des poteaux là. Ah bon? Ah oui, là vous avez pris 2-3 poteaux, on a même failli monter un scooter là sous le capot. Ah, mais c'est pas possible. Ah bah si hein. Marie 10-27 dans les... Ah, une voiture là. Ah merde. 10-4. Faut que je m'entraîne encore au créneau, je suis pas très fort. Non. Aïe.
Eh bien attention là. Gary Voyeur. Oui bah je me gare mais que... Garez-vous là-bas. On va se garer là-bas, il y a de la place. Non, là-bas, c'est le parking des bandits là-bas. Moi je préfère ici, c'est ma place. Ouais mais là c'est là vous éclatez. C'est qui la voiture jaune? C'est qui la voiture jaune? Mais c'est un client, on est en train de faire sécher la peinture encore. Il est où le client? Parce que ça c'est ma place. Oui mais ça c'est ma place. Non, mais y'a pas marqué votre nom! Mais si, t'as toujours été ma place! T'as toujours été ma place! Non, mais sinon, c'est pas aujourd'hui que ça va changer! Hein. Sinon, 66, on va se garer à côté du palmier là, non? Oui, mais on va faire ça! On va faire ça! Ah, mais attends, oui, dites-moi! Vous avez quelque chose contre le unicorn, monsieur? Vous voulez que je conduise 66 ou tout va bien? Oui, je veux bien, y'a pas de soucis. Je peux conduire. Vous êtes fort en radio? Oh, bah comme vous l'aimez, je vais conduire plutôt, ça me semble allez, mieux un peu, je pense. Allez, mais... Équipe de choc, hein. Zorodon, on a une dame disponible. Madame 52, 10-4. Ouais, voilà. Madame 52, faites un passage en code 3 sur Mirror Park Boulevard, s'il vous plaît. 10-4. Vous pouvez me dire aussi, Adam Apple Boulevard? Bah je sais pas trop, en fait. Pourquoi on doit faire ça? Je sais pas. Ils sont complètement cons. Je vais la rappeler. Oui, allô? Oui, c'est la rue du concessionnaire, hein? Adam s'appelle. Non, Mirror Park Boulevard. Ah, j'ai compris, Adam s'appelle Boulevard, d'accord, pardon. Non, Mirror. Ah bon, bah, on y va, d'accord. Yes, à plus tard. C'est qui? C'est la sergent chef que vous avez eu? Oui, oui, oui. Je vais l'appeler. Allô? Sergent chef? Sergent chef? Oui, vous allez bien mentalement. Vous avez l'air d'aller mieux là. Ça vous a fait du bien ce petit massage que je vous ai conseillé. Ah ben, ça me fait plaisir à entendre. Ça me fait chaud au cœur. Et mon sergent, pensez à m'appeler de temps en temps, c'est tout le temps moi qui vous appelle. Voilà, l'amitié ça marche pas dans les deux sens. Enfin, ça marche dans les deux sens. Hein. Voilà, ben, je vais raccrocher alors. Ah, et on passe à Mirror Park et tout là? Oui, je pense. Au pire, rouler dans toutes les rues. Hein. Ça fera pareil. Wow. Oh là 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 là! Roulez. Ah bah oui. De 66, on s'est fait. Enfin, on a entendu des tirs à Mirror Park. Pile quand on est passé. Approchez-vous, on va demander s'ils ont besoin d'assistance. Bonjour! On peut s'en aller? Là, y a le monsieur embarqué. Ah bah, ah bah on va le faire. Oui, vous le faites. On va le faire, on va pas dire ça. Bonjour monsieur. Comme ça on met votre véhicule en fourrier. C'est vous le voyou? Directement. Qu'est-ce qui reproche à monsieur? Flotte de deal. Monsieur, vos chaussures, vous savez que c'est démodé par contre. Allez, dites-moi tout. Ça s'appelle un délit faciès, mec. Tu veux que je t'apprenne ton métier ou ça se passe comment? Depuis quand les chaussures c'est un faciès? On va se calmer tout le monde. Allez, je te casse. Allez, qui t'empête? Au pire, on lui fait faire des pompes et on repart. Pour lui apprendre le respect. Mon capitaine. Comment ça, mon capitaine? Vous êtes pas le capitaine. Ah, pas du tout. Ah, c'est pas vous. Mais roulez doucement, bordel. Borden, 41, officier. Bordel? Borden. Non, c'est pas un nom commun, ça. Bah oui, bah non. Du coup, non. Je vous ai pas dans mes contacts. Bah, ajoutez-moi. Non, j'ai pas envie, ce soir. Bah, très bien. C'est tout bon. Je vous le laisse. Ah, attendez, je vous ouvre. Hein. Il pète une vitre. Il pète une vitre en plus. Oh là là, destruction de biens publics. Hein, tu me fais rentrer. Destruction de biens publics. Ouais, c'est hallucinant ça. On va aller à un magasin de vêtements avant. Tout de suite ou pas? Tout de suite. Je suis pas sûr qu'on ait le droit. Hein. Mais je vais vomir avec ces chaussures. Ouais, mais si tu veux, je te les mettrai dans la bouche. Enfin, seul, faut pas faire ça non. C'est un racaille. Ça. Ouais, l'avantage de tout ça, c'est qu'il va enfin changer de chaussure. Y a pas un homme derrière et tout. Oui, allô. Pas la vous êtes au kid. En cellule avec une racaille. Allez, 66. La racaille. Allez, j'arrive. Sniffer là, qui dit de l'extasie là. Il dit que vous avez embarqué ses papiers d'identité. Bah non, j'ai même pas pris. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Je sais pas, du coup, il les a pas. Bon bah monsieur est un... D'accord, bah monsieur est un sans-papier alors, voilà. Ouais bah, envoyez-le d'où il vient.
Oui, bah on va le renvoyer d'où il vient, oui. Oh, bonjour, oui. Mon Tarzan. Bon, on a un problème, monsieur, monsieur est sans papier. Oui, c'est de la racaille. Ne l'écoutez pas, Tarzan, c'est de la racaille. D'accord, et votre langage, vous me le changez? Ah, bah, vous apprendrez à vos agents. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas plus de 3 mots de vocabulaire au niveau des insultes, donc ça va. D'accord. Bah, vous venez ou pas? Allez, bon, vous sortez maintenant. Ta porte, elle est un peu lourde, là. Oui, bah, c'est pas ma faute si vous avez des bras de mollusque. Moi, j'aurais foutu ça dans un avion et puis ça dégage. Monsieur Wolf, comme le loup. Tout à fait. Putain, c'est incroyable, t'as de la culture. Oui. Pas comme toi. Tout est en ma possession. Oui, et vous faites pas chier une demi-heure avec... Ne vous faites pas chier une demi-heure avec lui, hein. Ah bon, pourquoi? Il est pas très connu de nos services, il a déjà sa bagnole en fourrière. C'était mes collègues qui vous ont arrêté. Ils disaient ça sert à rien peut-être de le laisser une demi-heure à un pauvre type comme vous. Excusez-moi, je vais faire ça en la racaille. Ouais, quand vous voulez, hein, là, vous pouvez la faire sortir. D'accord. Et vous deux, là? Oui. Oui. Oh, elles sont magnifiques vos nouvelles chaussures, mon sergent. Oui, merci. Oui, c'est vrai, c'est... Que le mec vous tape sur les nerfs, je comprends, d'accord. Ça n'empêche que vous avez un uniforme, vous représentez quelque chose, vous ne devez pas vous laisser déborder par vos émotions. Bah après, si vous faites votre boulot correctement... Moi, je fais toujours mon boulot correctement. Oui, vous faites un travail formidable, hein, Carter. Voilà. Mais que je vous entende plus parler comme ça des détenus, quoi. Oui, bien sûr. Ou du moins... Pas en votre présence. Non, non, que je t'en... Non, vous allez aller voir dans le bureau du capitaine, Carter. C'est vrai que là, on a eu une soirée très très chargée, on s'est peut-être laissé déborder par les émotions. Ah oui, c'est possible. Oui, 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 d'accord. Ça a été très très vite. Oui. Vous allez parler à un psychologue, hein, si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un. Oui. D'accord, Carter? Bien sûr. Kid, c'est ok? Ah oui, c'est ok, oui. Parfait, n'oubliez pas, vous faites un travail exemplaire, tous les deux. Ah, vous aussi. Bah, faut le faire payer, alors. Mais tu dis quoi, en adressant lui l'amende? Oui, je vais faire payer l'amende. Aïe. Je dis quoi, en adressant lui l'amende? Vous laissez pas déborder. Bon, faites-le moi sortir lui là. Vous laissez pas déborder. Oui, on va le faire sortir. Oui. Faites-le moi sortir là. Parce que. Allez, voilà. Bye. Ça dégage. Allez. Dépêchez-vous. Allez. Ça dégage là. Inspecteur. Je sais que la soirée était rude, mais vous laissez pas déborder. Non mais c'est qui, ce connard, moi? N'hésitez pas à aller voir à des psychologues, inspecteur. Oui, c'est ça, allez le faire sortir, vous. Allez, en route. Et vous me ferez le plaisir quand je vais vous sortir. Et tu me feras le plaisir de fermer ta gueule. Mais c'est Wolf. Eh ouais, c'est donnant-donnant, mon pote. Gagnant-gagnant, mais ton pote, c'est ton collègue, il l'a compris, mais pas toi. Mais c'est Wolf. Ça c'est tes jambes qui claquent quand tu commences à avoir des gens un peu plus costauds que moi. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez deux allumettes à la place des jambes. Oui, au moins, ouais. Bon, monsieur Wolf, signez le petit registre, là. Et puis c'est bon, vous êtes libre. Tu fais quoi sur ton registre, là? Bah, vous faites un X. Yes, voilà. Tiens, s'il te plaît. Ciao, voilà. Nickel. Et surtout, courez pas, monsieur Wolf. Vous risquez de vous enflammer. Vrai, ouais, par contre, je vais bien récupérer mon téléphone. Vous avez compris la blague avec les jambes et les allumettes. Et ouais. Ouais, je relève pas, les trucs sont passés au niveau. Hein. votre téléphone, pardon. Oui, voilà, ouais. Voilà, votre téléphone, bien sûr. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Ah bon? Oui, je trouve. Ah oui, bah si vous le dites, oui. C'est vrai que j'ai enregistré deux plaintes, dont une contre nous. Comment ça? Il y a des gens qui ont porté plainte parce qu'on était incompétents. Incompétents? Oui. C'est une blague. Qui ça? Des gens qui ont été pris en otage. En fait, on les a... En fait, en gros... Donnez-moi l'identité tout de suite. Non, vous inquiétez pas, c'est géré. Vous inquiétez pas, le commissaire va se occuper. Vous êtes sûr? Oui, vous inquiétez pas. Ils sont déjà au fond du canal. Là, vous allez là. Vous allez au point que je vous ai mis. D'accord. Ah, vous allez voir, je suis un pilote, hein. Ah, ouais. Ceinture. Ok. Aïe. Merde. Alors, d'habitude, ça se passe pas comme ça. Oh là là! Vous voulez que je conduise après, non? Ah, oula! Ah, je crois que c'est là. Mais oui, c'est là, mais. Doucement avec la voiture marron, elle est pas repayée des réparations. Hein. Oui, bien sûr.
Hop, on est arrivé. Ouais, bien joué. Mais non, mais on fait une patrouille, mais on n'en fait pas beaucoup. Quoi. Parce que si on en fait trop, tout de suite, les gens, les collègues, ils vont être jaloux. Ils vont dire, oh, putain, ils sont trop forts. Vous voyez, c'est comme ça moi que j'ai monté officier. Parce que je suis monté officier ici. En faisant rien ? En faisant le strict minimum. Je m'en fous un peu. Oui, bien sûr. Enfin, vous savez que le principe. Vous savez, c'est quoi l'arme principale d'un policier, monsieur Kidd ? Vous pouvez me tutoyer. C'est sa bouche. C'est la parole. Oui, c'est la parole. Oui. Exactement. Ah oui, je sais. Hein. Attention, recule. Hein. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que oui, c'est oui. Avancez un peu pour que je vous dise un truc. Merci. Allez-y, avancez un peu. Demandez à Carter. Faites attention à la blonde là. Pourquoi c'est une fucking snitch. Ah bon? Oui, à ma poucave. Ah bon, pourquoi? Allez, pour un truc. Un truc pas très clair. Pourquoi? C'est une snitch. Comment ça, elle vous a poucave, pourquoi? 14-17. Elle m'a mis dans la merde. Oui, mais pourquoi? Mais je sais plus là tout de suite. Il faut faire attention. Ouais. Je suis sûr que c'est une agente infiltrée. Attends. Dedans. Oui. Et Ox. Oui. Et du coup Carter il fait quoi? Bonjour monsieur Ox. Et rebonjour Carter. Eh bien, il vous allez bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, ça va super. Vous avez mangé quoi ce soir? J'ai mangé un veau maringot. C'est quoi ce truc? Vous connaissez pas le maringot? Non. Le quoi? Le veau maringot. Vous connaissez pas ça? Ah non, pas du tout. Ça vient d'où? Mais de France. Ah bah je détonne. Voilà. Rangez la voiture Carter et venez avec moi. Ah bon? Allez-y, je range la voiture, vous inquiétez pas. Oui, mais je suis en train là. Ah bah allez-y alors. On arrive, monsieur Hop. Comment ça? Oui, j'ai mis dedans. J'ai mis dedans, mais c'est bon? Voilà. Ah non, c'est bon. Ah, c'est vous? Venez, je vous passe les clés. C'est qui? Mais c'est vous? On va partir ensemble pour l'instant. D'accord. Ok, et après. C'est monsieur Lafleur, citoyen sans permis. Vous avez permis de conduire, monsieur Lafleur? Non. Ah. Je l'ai perdu hier. C'est exactement ça que je voulais faire. Vous pouvez me le présenter, s'il vous plaît? Présenter que je l'ai pas? Bah, bien sûr. Permis de voiture annulé. Elle nous l'a bien embêté, là. Ah oui, c'est justement ce que je voulais faire. Ne bougez pas. Le 41 pour 17. Allez, écoute. Sur le 10-29A, c'est le sergent Lafleur. Et il a plus de permis. Bah c'est pas parce qu'il y a eu l'esprit que... C'est notre travail, 41. Ouais, vous... Ouais, c'est 4. Vous avez entendu, Kid? Ah oui, j'ai entendu, oui. Merci. Vous allez faire une belle patrouille tous les deux. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Allez, va rajouter cette voiture. Attendez, vous monsieur... Ah, oh, tous les trois, conduire. Tous les trois. Vous voulez conduire? Allez-y. Ouais. Oui, ça me fait plaisir. Je vais sortir la Dacia. Voilà. On est bon là? Oui, c'est parti. D'accord. Oui. Attendez. 66, 33 et 32 deviennent Adam 32, début de patrouille. Je regarde partir juste. Pourquoi? Parce que c'est Carter qui conduit. Il conduit bien Carter? Ah oui, il conduit ex. Ah, vous avez jamais patrouillé Carter? Je crois pas, non. Ah,